joyeux temps de Noël. Fa la 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 la. C'est fa la 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 la. J'ai dit assez. Just going home. Have a late night show. Oh my god, j'ai si faim. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve, on est mardi. Ce matin je me suis levée à 7h30, j'avais pas d'épreuve et j'ai bossé. Ensuite je suis allée chercher le pull que j'ai acheté de mon école. Voilà, je suis un cliché de l'étudiante en école de commerce. Je suis allée mettre en ligne ma vidéo parce qu'en gros j'ai plus que 5 gigas pour 3-4 jours et genre ça part super vite et voilà, donc je devais poster une vidéo, j'espère que vous aurez plu, c'est une journée dans mon assiette et puis là je vais manger et je vais rebosser ce soir. J'ai trop hâte vraiment d'être ce week-end, d'avoir enfin fini toutes ces épreuves. Là ça va faire du bien parce que je vais avoir une période où en fait j'aurai pas mes résultats des examens, donc je saurai pas encore pour les rattrapages, donc je culpabiliserai pas, désolée je cherche une fourchette pour manger. Je ne culpabiliserai pas de ne pas travailler et à côté de ça, j'aurai pas de nouvelles matières à travailler. Donc voilà, je pense que janvier, je pense que février, ça va être par contre une période très dure. Mais en attendant, janvier, pas trop bien quoi. Enfin, là, oh merde, j'en ai une par terre, je suis bête. Je sais même pas quel jour on est. On est mercredi, non? Jeudi. Non, on est jeudi, jeudi. Donc en fait, là j'ai genre eu espagnol hier. Et donc aujourd'hui j'ai sociaux. Et demain j'ai macro. Donc macro ça va être dur. Sociaux, ça va. Enfin genre, j'aime bien la socio. Donc c'est pas une grosse épreuve dans le sens où... Oui, ça va pas être simple, mais voilà. Bon, je vais arrêter de vous dire que j'ai raté mes épreuves parce que c'est le cas, mais genre ça va devenir chiant pour tout le monde. Donc je vous propose de vous raconter genre où j'en suis dans ma vie, pourquoi je vous ai pas filmé, parce que là c'est un peu genre trop. De base je devais rentrer samedi soir ou samedi matin, mais en fait il y a les grèves de train et tout, donc après je devais rentrer avec des potes de mes parents samedi après-midi. Sauf qu'en fait finalement j'ai un shooting photo, donc finalement donc je sors vendredi soir avec mes potes. Samedi, après samedi matin je prends un blabla, j'en ai jamais pris de ma vie, donc on va voir ce que ça donne. Du temps avec mon école, en fait on a pas mal de cours sur internet. Sinon on a des livrets ou des trucs comme ça. Franchement c'est assez bien fait, j'adore critiquer le système scolaire, c'est une de mes grandes passions, mais sur ce coup là je trouve que c'est plutôt bien fait. Le seul problème c'est que parfois j'ai pas les corrections des anciens examens, donc c'est un peu compliqué, surtout en maths. Voilà. Donc sinon là je vais me faire à manger, je vais partir à mon épreuve. Juste ça m'intéresse de ouf de savoir quelle vidéo vous voulez voir. Je vous ai déjà demandé sur Insta. Il y a pas mal de vidéos que je ne ferai pas parce que genre un What's on my phone, j'ai un iPhone 6, il est en total bug avec les mises à jour. Et j'ai que des applis pour mes photos, donc en soi je pense que ça vous intéresserait pas. Et en fait ça m'intéresse quand même de savoir en règle générale ce que vous voulez. Je sais que vous voulez plus de Studio With Me, ça va être un peu compliqué prochainement parce que j'arrête les cours pendant 3 semaines. Donc sur mon emploi du temps. Donc là je souhaite bon courage à la Pauline du futur parce que mon emploi du temps, je sais pas quoi en penser en fait. Déjà... là en ce moment d'habitude c'était le lundi, genre j'étais hyper chargée début de semaine, fin de semaine trop cool, là c'est le contraire. C'est à dire que je suis chargée début de semaine, chargée fin de semaine et genre milieu de semaine j'ai rien, comme je fais pas sport, genre j'ai pas cours, presque pas cours le mercredi, j'ai pas cours le jeudi. Par contre vendredi je finis à 20h30 alors que soirée étudiante c'est jeudi soir, pas le mercredi soir, bref. Et par contre j'ai cours le samedi, ça me met mal parce qu'en gros il y a que deux trains pour moi dans la journée, 7h, 17h, sachant que si je prends un train à 17h le samedi, j'arrive à 21h chez moi le samedi soir. Je vais arrêter de blablater, mais bon apparemment vous kiffez. En fait genre moi j'aime pas quand je parle parce que je me trouve ennuyante et tout, par contre j'aime trop regarder des vidéos où les gens parlent, donc... Bref, je vais m'habiller et je vais manger aussi parce qu'il faut que j'aille à mon épreuve. Les gars, je me suis cassé la dent. Regardez. Ah ouais, ça se voit, hein. J'ai le seum. Bah ouais, j'ai le seum, frérot. Un peu que j'ai le seum.
Là, ça fait 10 minutes qu'elle me tient par les cheveux. Non, mais où est-ce que tu veux que je te tiens par les cheveux? Tu peux arrêter. Mais où est-ce que tu veux que je te tiens par les cheveux? Mais vraiment, là, je pense que la vie est chouette. En fait, là, tu t'éloignes. Allez, tu peux me lâcher. Viens. Non, s'il te plaît, mais je sais pas y aller, moi. Donc là, nous partons en soirée avec Rosemina. Oh putain, tu te souviens? Chez Amine. Non, je sais pas. Quand est-ce qu'on retourne à Lisbonne? Dans 2 semaines. Non, dans 2 ans. Donc là je suis revenue du shooting. Ça me fait trop bizarre d'être maquillée. C'était juste cool. Voilà. Ce soir il y a mes potes qui viennent manger, donc je suis trop contente de les revoir. Je pense que j'ai gardé mon make-up. Mes cheveux ils sont trop pis à cause de la pluie, donc non. Donc en fait, attendez, je reste pendant les vacances à Rouen. Et après on part avec ma famille, je vais pas vous dire maintenant parce que sinon c'est pas drôle, vous verrez. Et après je pars avec mon meilleur pote, je vais vous faire beaucoup de contenu, beaucoup. Voilà. Et sinon là, en ce moment je suis vraiment fatiguée à l'instant T. Faut que je regarde Riverdale parce que mon forfait s'est enfin remis. Aussi je pense que je vais vous emmener dans un vlog dans les futurs jours parce que je compte faire un petit changement capillaire. Ah bref, je vais aller profiter de ma fille. Bon alors là on est dimanche matin et je suis en train de vous faire le montage, donc je vais clôturer le vlog ici parce que faut que je fasse le montage, la miniature et tout et que je vous l'upload ce soir. Putain mes cheveux, on dirait une choucroute. Bref, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à vous abonner à mon Insta et bye.